C'est bon? Ok. Attends, attends, faut pas faire plus jouer. Ah, j'ai pas envie, je sais pas. Est-ce que le Seigneur. Je ne vais pas sortir. Hello, 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 hello. Hello. Amen. Hello, 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 hello. Ah, c'est pour moi. Hello. Le truc de délivrance, c'est les chants de délivrance. Tu as lancé? Voix. Aïe. Nous sommes désolés, il y a plein de choses au quartier. Nous sommes désolés, il y a plein de choses au quartier. Nous sommes désolés, il y a plein de choses au quartier. Shalom. Valérie Kouna, shalom. Marie-Claude, shalom. Paul Alou, shalom. On partage le direct, s'il vous plaît. On met les cœurs en même temps. Jacqueline, shalom, amen, merci. Evie, shalom. Evie, le Seigneur a voulu quelque chose pour toi hier quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas, ton téléphone peut-être s'est décroché. Martine, shalom. Kabore, shalom. Marie, Congo, shalom. Alexis, shalom. Bia Laurentine, ma fille, shalom. Mélanie, shalom. Shalom à vous. On partage le direct, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Le culte, c'est notre culte de délivrance. Pascaline, shalom. Diamant, oh, shalom, ma fille. Grâce, Doula, shalom. Lys Marie, shalom. Chancel, shalom. Chamel, shalom. Angeline, shalom. Camille, shalom.
Nando Shalom à toi. Amen. Kawa Shalom, Shalom à vous, Shalom. Ah Delphine, Shalom, Shalom. Mm-hmm. La reine Esther, Shalom, wow. Mm-hmm. Shalom. Gertrude, oh merci, Shalom à vous. Mm-hmm. Claudia, Shalom à vous, merci beaucoup. Mm-hmm. Lucie, merci beaucoup, Shalom. Damaris, merci, Shalom. Antonia, oui, Shalom. Madeleine, ouah, merci. Shalom. Harold, ah, Shalom. Amen. Maman Grâce, Shalom. Yuri, Shalom. François, Shalom. Maman Guédé, Shalom. Malescofi, Shalom. Djoko, Florence, Shalom. Djoko, Valom, Shalom. Florence, Shalom. Pascaline, Shalom. Annick Noël, Shalom. Grâce Lydie, Shalom. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, amen, 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 amen. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je bénis le roi des rois. On partage pour ce message. Nous avons un très bon message. Accéder à la parole. Avant tout, nous allons donner une petite louange. Le temps que vous partagez. Est-ce que quelqu'un veut élever le Seigneur? Jéhovah, tu es élevé. Yes, Karabado, Brikindi, Yabodusha, ça c'est. Tu es élevé. Ah, Jéhovah. Tu es.
Tu es élevé, tu es élevé.
Est-ce que tu peux lui donner les cris de joie là où tu te trouves? Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Est-ce que tu peux le célébrer? Car sa présence est déjà là. Ah, il est venu pour ceux qui sont disponibles. Parce que Jésus est venu, il n'est pas venu sauver tout le monde. Yes. Il est venu pour ceux qui étaient en attente. Vérité. Il est venu pour ceux qui le cherchaient. C'est ça. Lorsque Jésus arrive à Jérusalem, hey, il y a des femmes qui sont couchées. Il y a des gens qui sont debout. Il y a des gens qui sont en attente. Ah, beaucoup pouvaient être assis. Oh, mais nous n'avons pas la même position. Arabadosha. On peut être assis, mais on n'a pas la même pensée. On peut être au même endroit, mais on n'a pas la même attente. On peut être au même endroit, mais on n'a pas la même attente. Kayabadosha. Je ne sais pas quelle attente tu as aujourd'hui. Amen. Mais le Seigneur me dit, il y a une femme qui dit, si je peux seulement toucher, si je peux seulement toucher. Vous regardez, il y avait un homme. Il était entouré d'une foule. Oh my God. Massa provoque Yabadouche. Yabadouri Baderabo. Il était entouré de la foule. Mais quelqu'un dit, si je peux seulement toucher. Et pourtant, dans la foule, on le bousculait, on le touchait, mais rien ne se passait. Il y a plusieurs manières de toucher. Il y a plusieurs manières de voir. Amen. Il y a des hommes qui regardent, qui ne reçoivent rien. Mais il y a quelqu'un qui regarde et toute sa vie change. Amen. Massabro kone yabadou, massabro kone yabadoucha. Je m'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Il faut dire, si je peux seulement le regarder, le recevoir. Il n'y a pas de distance dans le reste. Amen. Il n'y a pas de puissance dans le reste spirituel. La dame dit, si je peux seulement toucher. Amen. Si je peux seulement toucher. Mais attends, mais lorsqu'il a touché, mais ma Bible me dit, oh, Massabro, Koyamanoche, Kiabado, quelle patience et quelle performance et quelle foi. Marabadou, Chekiandarabadosa. Si je peux seulement toucher. Quelqu'un peut écrire, si je peux seulement toucher. Si je peux seulement. Parce qu'à cette dimension là où nous sommes, ce sont les hommes en esprit qui sont en train de bénir. Amen. Il n'y a pas tout ça. Le Seigneur m'avait dit, pendant le temps où nous aurons les cultes en live, je vais bénir mais plus qu'on était dans la salle. Je vais bénir plus que même on était dans la salle. Amen. Si je peux seulement toucher. Si je peux seulement toucher. Masabrokonde yabadousa. Rebadoucha ki yamando karebadosa. Si je peux seulement toucher. La dame dit si je peux seulement toucher. Mais les gens étaient là, ils le touchaient, mais rien ne se passait. Mais on le bousculait, mais rien ne se passait. Mais quelqu'un est venu avec la révélation. Elle dit si je peux seulement toucher. Mais quand je méditais ce passage ce matin, le Seigneur me dit, il y a plusieurs manières de toucher. Yes. Tu touches comment? Oh, c'est pour ça, vous pouvez emprunter le même bus, mais vous n'avez pas la même destination. Vérité. Vous pouvez emprunter le même bus, mais vous n'avez pas la même destination. Yes. On peut emprunter les taxis comme en Afrique, on mélange les taxis là. Mais les destinations sont différentes. Je me l'ai dit, on peut être dans le même bus, mais on n'a pas la même destination. On peut avoir les mêmes problèmes, mais on n'a pas la même manière de régler. On peut avoir les mêmes problèmes, on n'a pas la même manière de régler. Amen. Je veux parler à quelqu'un. Mosobri Kayamado. Sabri Kikiamanushi Kiyamado. Oh, Yaka Kamande Rebodosa. Je vois les anges rentrer dans la maison de certaines personnes. Amen. Je vois le Seigneur commencer à verser lui dans la vie de quelqu'un. Amen. J'entends cette langue ensoleillée. Je descendrai mon œil sur la tête. Je vais renouveler la force. 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 Ah, le Seigneur va me renouveler la force. Amen. Quand la femme a touché. Quand la femme a touché. La Bible dit que la femme avait fait plusieurs médecins. Hey. Jusqu'à terminer. Son argent était fini. Les médecins symbolisent les pasteurs. Hey. Tu as fait le nom des pasteurs. Tu as fait le tour du monde pour chercher la guérison. Hey. Oh, tu n'as pas trouvé. Mais le Seigneur dit si seulement tu vas regarder. Mais quelque chose se passera. Amen. C'est le nouveau regard. Ouh. Tu vas regarder. Mais tu as levé les pasteurs. Rien ne s'est passé. Quelque chose, rien n'a changé. Pourtant, tu cherchais la délivrance. Massabro Kondé Yabadosa. Rekita Rabadosa. Massori Mandé Yabado. La dame avait fait le tour. Elle avait fini son argent. Mais je me l'ai dit. Là où tu es connecté, on ne te demande pas une offrande.
pour que l'argent te bouge, l'onction descende sur toi. On ne te demande pas une offrande pour que l'onction. Je viens avec ce que tu as. Oui, ce que tu as dans ton compte là. Tu n'as même pas. Oui, mon Dieu te restaure. Amen. Tu n'as rien, mais mon Dieu s'occupe de toi. Il n'attend rien de toi. Oui, mon Dieu te bénit. Oui, amen. Laisse-moi te dire. La dame avait fait le tour du monde, mais rien n'a changé. On a vidé son argent. Mais le jour qu'il a croisé le vrai Dieu, qui est le Seigneur Jésus. Yes. Oh my God. Peu importe la position que tu peux te tenir pour me regarder, quelque chose se passera. Amen. Peu importe la position que tu peux te tenir pour me regarder, ah, quelque chose se passera. Amen. La dame voit que par devant il ne peut pas, par derrière elle a faufilé. Elle a touché le pont de robe, par derrière, par derrière. J'aimerais te dire, c'est pas la position que tu occupes qui compte. Vrai. Hey, c'est pas la position que tu occupes qui compte ça. Ah, c'est ta manière, c'est le cœur. Car le Saint-Esprit travaille avec le cœur. Ah, la Bible dit que par derrière, tu es connecté, tu es touché. Yes. Par derrière, tu es touché. Par devant, tu es touché. Amen. À gauche, tu es touché. Amen. À droite, tu es touché. Amen. À distance, tu es touché. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Yes. Sois touché ce soir. Je reçois. Sois touché ce soir. Je reçois. De la même manière, yes. Cette femme à la perte de sang, elle a été touchée. Amen. Et restaurée. Amen. Et sa foi l'a sauvée. Amen. Ce soir, amen. J'active ta foi. Amen. Et que tu sois restauré. Amen. Reçois ta révélation. Je reçois. Reçois la restauration. Je reçois. Reçois la restauration. Je reçois. Reçois. Aïma Rapalita. Yes. Le Seigneur me dit, je suis là pour les restaurer. Je suis là pour les restaurer. Amen. Je suis là pour les restaurer. Amen. Je suis là pour les restaurer. Amen. Le Seigneur me dit qu'il est venu pour restaurer. N'aie pas peur. Il dit qu'il n'y a pas de distance. N'aie pas peur. C'est lui qui opère. C'est lui qui travaille. C'est sa mission. Faites-lui confiance. Vous recevrez ce que vous avez besoin. Amen. Laisse-moi te dire ce soir, il n'y a pas de distance. Tu reçois maintenant au nom de Jésus. Ma sabrokoya m'a dit katarabadouche. Karabadous, rokoni yamadis. Manderabadous, obre kanderababadous. Et katarabadous, prekatunde rabadous. Rekaye bodoso prekatarabadous. Marakati abadosa. Yamani de bosheki abadosa. Oh, moi je vois des gens qui ont sémé, mais sur la terre pierreux. Il y a des gens qui ont sémé dans le champ, mais le livret est venu. Oh, je vois les anges arrachés. Je vois les anges arrachés. Car la parole est tout vers vous. Oh, les soucis de ce monde. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Oh, les soucis de ce monde. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Au nom de Jésus.
que chacun de vous puisse un verre d'eau. Chacun de vous puisse un verre d'eau. Un verre d'eau, chacun de vous puisse un verre d'eau. Masabro kondi yabadou ko sombre ke konti ki yabado. Partagez le direct de mettez les cœurs s'il vous plaît. Masabro kondi yabado, rekande rabadosha, rikata rabados, mande de boroko tobri kande rabado, karabados, bro kondi yabados, marekata rabados, broko ki amandos, makarabados, broko ti amanda rabados, remandi yabadou ko sombro koti yabados, rakate yabados, tu ne seras pas dans la stagnation. Amen. Oh, Jésus, tu ne seras pas dans la stagnation. Amen. Le que je viens te donner. La Bible dit que les fleuves d'eau vive couleront dans mon sang. Avant de prendre la bouteille d'eau ou le verre d'eau, je suis sûr que Dieu a déjà révélé à quelques personnes, ils se sont vus en train de boire de l'eau. Les gens qui sont en assis, ils ont vu déjà comment le tuyau d'eau était en train de couler, ils buvaient. Je ne donne rien au hasard, mais je donne selon la révélation de Dieu. Que vos yeux s'ouvrent et vos oreilles s'ouvrent. À travers cette eau, Mama Rabadosha, je renforce la présence de Dieu. Amen. Ah, les fleuves d'eau vive coulent. Les fleuves d'eau vive coulent, ils couleront en vous, 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 ils couleront en vous. Marika imundo ko sombro kondi yababade badade bo romande de bebe badade bo. Les fleuves d'eau vive couleront en vous, couleront en vous. Vous ne serez plus limités, vous ne serez plus limités, vous ne serez plus limités, vous ne serez plus limités. Je brise la limitation, je brise la limitation. Je sors dans vos maisons, dans vos ministères, la limitation. Je brise la limitation, je brise la limitation. Au nom de Jésus. Marabados sabro kondi yabados. Karabados, breka kunti ki abadons, yes, underi gidere bons, ka imuno kore mandi kasambro kunti ki abadons, andi gidere bons, zabro koti amado kori manda, wamari katera badu kon sombri ka kunti ki abado, ramadi kando kon sombri ka ku, ramadi karu rika, wamari inde kon sombri kende abado, baka kunti ki abado, rakato, kam mandi abado kon sombri kando abado, rakato, zezozeze, akaka, oh, je te remplis, je te remplis. Je te remplis, monte, monte, monte. Je te remplis. Tu te mets à parler en langue. Zabro koti amanduka ça. Je te le remonte, je te remonte, je te remonte. Tu avais perdu beaucoup, beaucoup d'onction. Je te renforce. Brokata. Wamaki amanduko rimanduko sombre kapo. Rekato. Brengangun tengi rabadu. Zezezeze. Le Seigneur vous remplit, il vous remplit, il vous remplit, il vous remplit. Oh, ce verre d'eau soit rempli de sa puissance, de son feu. Masabro kondi amandi, kande de broko sobri kande de bro, rakate rabados, bronde de abadi. Inde rakate de bodun, sambro kondi abadi, commande rabado, karibodosha. Remplissez, remplissez, remplissez. Oh, kamaribodo. Kamaribodo, kamaribodo, bregadunze. Oh, que le Seigneur vous remplit. Le Seigneur vous remplit, vous débordez. Vous débordez de sa présence. Kamaribada. Kienderabo, shakiabado. Kamaribana, karibodo, brekakon. Et kamaribados. Brekakon tikiabado, karimodosha. Rakaimundo korimanda kasombre kakon tikiabado. Maribado kori mandaka sopre kakonte ya. Zombre kako arimondo. Ramayamando, ramariyamando, ramariyamando, ramariyamando. Breka kwanta. Rokotiyamando, braka kunsa. Vous êtes rempli. Vous êtes rempli. Vous êtes rempli. Ce verre est occupé par la puissance céleste. Par la puissance céleste. La main de Dieu se pose dessus. La main de Dieu se pose dessus. Zebro kuyamada. Rekakunti kiabada. Oh mama rebado shakande de bossa. Rebadika yumundu kori mandaka sabro kuyamande. Oh sabro kushakinde rebado. Rekakwantia. Imande de buko sobre kakwantia.
Marie Badous. Buvez le verre d'eau. Ça vous renforce. 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 Maintenant que vous buvez, je vois l'onction descendre sur vous. Je vois des gens qui sont. Je vois l'onction tomber ici. Je vois l'onction tomber. Je vois l'onction tomber. Rakati Amandokori Badaza Brokonde Yababadabado. Ah, Mamma Marabado, Brekanda Dabado, Kote Abado. Ah, Mamma Marabado, Brekanda Dababare Katarabado. Kamaribodo, Sobrekanda Dabado. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Dans cette bouteille d'eau. Le feu de Dieu dans cette bouteille d'eau. Oh, qui vous remplit, qui vous remplit. Vous n'allez plus stagner. Vous n'allez plus stagner. Car la Bible nous recommande les fleuves d'eau vive couleront dans mon sang. Les fleuves d'eau vive couleront dans mon sang. Ah, Baba Baba Rabadoucha. Les fleuves d'eau vive couleront. Ils jailliront. Ils jailliront. Ils jailliront. Oh, à partir de cet instant. Oh, tu jaillis. Tu jaillis. L'eau en toi jaillit. L'eau en toi jaillit. Et les autres boivent. L'eau en toi jaillit. Et les autres boivent. L'eau en toi jaillit. Et les autres boivent. Et les autres boivent. Et les autres boivent. Alors tu as une minute pour recevoir de ce dos. Tu as une minute pour recevoir de ce dos. Je te laisse une minute de méditation. Mankori manda, bronkon konter, soa breka konta, inkai mundo ko sombrika konte kiabado, resevre, inkai mundo, sombrika kuoi mani, kia mori kari uno nori marari moro ro ro za za, kendiki o marika urmane ka sombrika konte, e baribodo, kai mundo ko rimane ka konta. Tous ceux qui ne sont pas de Dieu, Dieu les déconnecte d'ici. Sinon, le fouet de Dieu va descendre sur vous. Je vois la chicotte de Dieu frapper certaines personnes. Ceux qui sont venus pour détruire, le Seigneur va vous visiter. Sinon, tu te déconnectes, tu pars avant le temps. Masabo kayaburu kosa indereketeo. Wamari kata. Et ceux qui sont venus recevoir, alors le Seigneur vous donne ce que vous êtes venus chercher. Makande de Bodo, Breka Kuntiki Abado, Ramanika Lamando, Zobrika Kuntiki Abado, Amake Amunduko Sambrika Kuntiki Abado, Makori Munika Sambrika Kuntiki Abado, Zomrika Kunta, Eki Abado, Kiabado, 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 Zez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 
wonya zenzo wan dang wan zengang wan dengang wan zangwa wan kia kwa yang zebra kwa kwan kiandera hunde kia rogwa zangwa kwanti karin wan ria man kwan kwanti karabodo brang kwan kwan sa in kwa ya wan zong wan wan zang wan zeng kwan kwanti karin wan kwa ta man kwa rin kwa kwan wan ya kakisa même si tes ennemis rentrent où ils sont aujourd'hui. Dieu va les récupérer. Tous ceux qui sont sous les souterrains, qui travaillent dans votre vie. Oh, l'explosion sur leur vie. L'explosion sur leur vie. Vous entrez dans la gloire de Dieu. Personne ne pourra empêcher ce qui est en train de tomber sur vous. Personne ne pourra empêcher cette gloire. Masaki Abado. Yes, Lord. Mori Kaimundo. Et commandez de Bosa, tu les restaures, tu les restaures, tu les restaures, tu les restaures. Zeki amandu koriman de kasambro kokonti kiabado, bombari bade, wankankanti kiabado, kombari bade, zoku yamande, barisa, wanda. Mande de kika tokundi kasambro kokon, ewa kwankanti kiabadi kande de bo, bambani karimundu koso, hikato, brakado. Alors, tu reçois. Tu reçois, tu reçois. Rien n'empêche la présence de Dieu aujourd'hui dans ta vie. Tu montes dans une autre dimension. Brinkan konti kabado, boribade kasa, ikando ribari kaurumade. Omaki amandi kasabi mundu shiki mundu koribade. Oh, Jésus. Oh, Jésus, je te bénis pour la vie de ton peuple ici présent. Je te bénis pour la vie de ton peuple ici présent. Je te bénis pour la vie de ton peuple ici présent. Je te bénis pour la vie de ton peuple ici présent. Je te bénis pour la vie de ton peuple ici présent. Je te célèbre. Je te célèbre. Oh, tu as toute la gloire, Père. Tu règnes à jamais, éternel. Tu règnes le Dieu de l'éternité. 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 Oh, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Zébroko Yamanda. Ikandebo. Kondiki Yamandu Kosombrika Konti Kabado. Mankaribudo. Brunkon Kanti Kabado. Zembre Kakonta. Il y a les gens que leur parler en langue va changer. Rema Ikondika Sabroko Yamandi Kando Rebare. Breka Konti Kia. Ya, 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 ya. Zobrika Konti Kia. Oh, Marika Yamando Korimanda, Makwari Monoko Sombrika Kwansa, Wayekwa, 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 Reko Kwansa, Aya, ah, Ya, 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 Zo, 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 Breka Konzen, Zen, 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 Kende Koko, Indiki Yamunuko Sombrika Kontiki Abaru Manika Imuno. Wamaki kuoi manikari munuko sombrika kuoi manikuri manikari munuko sombrika kuoi manikari munuri mania. Wanya monia, undiki yamano, indiki yamanuko sombrika uri mania. Wamari koto, inkai munuko siamo moni marikai ununi marimuro. Wakia moni, wania, wanikari munuko so, umakia manuri maria. Wanzia moni, ani uni ano rimo, eki ayunu ina, ayuno no, yani ani niko inania. Wakwanieri katunia wanse kiamoni akiyamano enkiamano kori mani kari muno wankianu do rino no ankiamori kakwantia wanili abano siyeboko yamanda wali kari muno kosambre kakwai mani kari muno. Oh, y a des gens qui avaient la poitrine chargée à cause de l'air, à cause de l'air que vous avez aspirer. Vous avez respiré l'air qui n'est pas bon, c'est chargé sur vos poitrines, la crise cardiaque. Mais le Seigneur vient révoquer ce soir. Et Kamariwo de Samuro Koti Yabado, est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir ce que je suis en train de relâcher? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que je suis en train de relâcher? En ce moment, je parle avec les anges des anges. Je parle avec les anges. La langue des anges est en train de couler maintenant dans vos vies. Et les anges sont en action dans vos maisons, dans vos vies maintenant. Peu importe la distance, il n'y a pas de problème. C'est les anges qui sont en train d'opérer. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Oui, maintenant, ils sont en action maintenant. Wamari Kati Yamunuko Sombrika Kontika. Et Kamaribado, je t'appelle à être connecté, disposé pour recevoir ce que le Seigneur est en train de déposer dans ta maison. Oui, l'esprit de mort sort. La mort sort. La mosso ika endere kete da bodusa brinkan kontika wanika 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 wamaki yamanu ko sombrika kontika abado e ki amarikato.
zebre kokontia waniki yamando breke kontia karibodo zebra kakontia wankia kuri mani karimono zomri kakwari karimono kandi kikosa kamarikato kandi keto breka kunsa kondekia kwa kia 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 kwa kwa kia zomri kakunta eke marikato kandi keto kondekia yamani ko zomri kakwari mani karimono ramaya kwari mani ko zomri kakwa ya kwa kia kwa sa kwa ya yandi kiwari mani kori mareka so eke amako kori mani karimono ko so zembre kakwa unke kia mori mari eke amaru ko so uankian kunkan se ze 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 mo kwari mani kori mono e kamarika kwa e kamma ko konti ke amuri ngari muni ke munu ko sambro ko kwa wani kwa wani kwa wani kwa wamari kwa kakwania zebra ko kwanta kiaro wari kati awa masabro ko ndi abadi wa masabro ko yamande ta maison est visitée ta maison est visitée breka kwa yemandori badassa roko yemande kaso breka konta ta maison est visitée. Oh, peu importe ce que l'ennemi a déposé, c'est enlevé ce soir. Rekamo nukori mandaka sabro konde de badosa. Marikatoche, je vais t'inviter à parler en langue. Monte. Les anges sont en action. Ils aiment entendre le langage des anges. Monte. C'est avec le langage des anges que les anges opèrent. C'est pour ça qu'on vous empêche de parler beaucoup en langue. Tu dois plus monter en parlant en langue. Parle en langue, monte. Parce que c'est dans ça que les anges sont en action. Voilà pourquoi quand je suis sur le point de te remplir, je parle en langue. Quand je suis sur le point de te délivrer, je parle en langue. Parce que c'est les anges qui viennent en esprit. Ce sont des esprits. Alléluia. Ce sont des esprits qui rentrent dans vos maisons, dans vos vies, qui enlèvent ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et pour qu'ils puissent mieux le faire, tu dois parler la langue des anges. Oui, si tu veux travailler avec eux, tu dois communiquer avec eux. Tu dois avoir la capacité de communiquer avec les anges, de les mettre en action. Alors je t'invite à parler en langue. Monte dans une autre dimension. Allez, monte. Je vais t'inviter à monter dans une autre dimension. Quand je viendrai seulement confirmer. Confirmer ce qui est en train de se déposer dans ta vie. Permets aux anges d'entrer. Permets, on monte la dimension des anges. On monte l'accélération. Bien-aimé, plus tu es en action avec les anges, avec le parler en langue, plus les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Est-ce que tu peux entrer en action? Je t'invite à monter. Monte. Je t'invite à monter. Bravo, bouche. Monte. Je t'encourage. Monte, Saint-Mont. Oh, Marikata, Rabadosa. Monte. Parle en langue. Mets le mouvement des anges. Mets les anges dans tes mouvements. Mets les anges en mouvement. Mets tes anges en mouvement. Même mes anges que j'ai relâchés dans mon ministère qui travaillent avec vous, qui sont en train de travailler pour vous. Permettez qu'ils soient en mouvement. Ne les arrêtez pas. Quand tu es tiède, les anges s'arrêtent. Mais quand tu es en mouvement, les anges sont en action. Allez, vas-y. Vas-y, bien-aimé. Marikato. Brekayou Menacha. Maintenant, il est temps. Je vais descendre une dernière couche. Celui qui ne reçoit pas, j'ai relâché. Es-tu prêt? Ouvre ton esprit afin que ce parler en langue puisse déchirer le ciel pour toi. Oui, le ciel est en mouvement, les anges sont en mouvement, bien sûr. Il y a des gens que leurs yeux sont ouverts. Dans ce parlant en langue que je veux relâcher, tes yeux vont s'ouvrir, tes oreilles seront nettoyées. La puissance de Dieu tombe sur toi. Alors, ce qui n'était pas bien, qui t'empêchait de monter, va quitter. Alors, tu vas commencer à courir. Il n'y aura plus de stagnation dans ta vie. Il n'y aura plus de stagnation. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Ah, il y a des gens qui disent, leur parler en langue est monté. D'autres, leur parler en langue a changé. D'autres voient le ciel ouvert. D'autres voient le ciel ouvert déjà. Bravo. J'aime quand vos yeux sont ouverts. Ah!
J'aime quand vos yeux sont ouverts. Ouais. Makai budo kosombre kako remani karimodo. Underebadi bodo sabroko underebado. Aujourd'hui le ciel est ouvert. Celui qui est disponible va recevoir. Celui qui est disponible va recevoir. Peux-tu recevoir? Peux-tu recevoir? Peux-tu recevoir? Peux-tu recevoir? Peux-tu recevoir? Est-ce que tu es prêt? Vous êtes prêt? Vous êtes prêt? Je veux voir si vous êtes prêts. Je libère. Si vous êtes prêts, Masai Boudosha. C'est la dernière couche. C'est la dernière couche. Les anges sont en mouvement. Et ils sont en train de travailler. Les anges sont en mouvement. Voilà pourquoi je parle le langage. Alors, commence à recevoir maintenant. Remai kuri munda kasa. Brungandi yabado. Zembre kakun tiki yabado. Kandere bodo. Zeki yabado. Skandikuri manikari mundo. Zebra kakunta. Ende ki yamunuku. Samba que yamunu que yamaniu que yamunu que yamanu que yamanu renka kunte kama yamunu kense kondi ki yamunu kense konde karimunu kense zombre kakon kense kinderebo kense zombre kakon kense kama yamunu kense koma yamunu kense zombre kakon kense kanderebo kense koma yamunu kense zambre kakon kense koma yamunu kense zambre kakon kense kiamanu kense konima renka kon ken kon Kain, braka kun, kain, zembre kakon, kon, kain, kar imuno korima, kan kon, kain, kai imuno kon, braka kun, tay, ken korimane kar imuno, braka kun, koi, ende ki yamanu kosom, braka koi, kai muri marimo, zembre kakon sa. Eki auru aika imunu kori manda zeki abodo ende ke omuri unkasa yani koni mani kai munu koso brika yumunda kasa wan kaimo karimo kaimo breka konte komari kai ori kai bodo so koko kai munu breka konta e kai bodo koso mrika kot kai munu ze breka kuin takuin kakuin kakuin takuin kakuin kakuin brema muri manda kaso Break a coin. Re marica cosa. Zekiumunda. Zekiumunda. Ico marico conte cabado. Zo bracaco. A marico conte. One need abado so. Break a coimunda. Maricato sabruco imande carimunuco sabruco imundo she. Maricato, alleluia. Merci Seigneur. Et comme Roumani Kassa. Yes, Lord. À toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Père éternel. À toi la gloire, à toi la gloire. Je bénis ton nom, je te célèbre. Ouais, remplis ton peuple, remplis-les. Car ils débordent, ils débordent. Maintenant, les visions, vous ouvrez vos yeux, vous commencez à voir tout ce qui se passe. Vous débordez. Vos yeux s'ouvrent. Je fais certaines personnes entrer dans la gloire. Je vous amène à la dimension céleste. Je vous fais visiter le ciel. Je vous fais voir des choses. Ce que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je vous fais vivre le surnaturel. Je vous amène à vivre le surnaturel. Est-ce que tu veux me suivre? Tu veux voir? Tu veux que je te montre? Tu veux voir? Suis-moi. Suis-moi. Je vais te faire fleur ce soir. Je vais te faire voir, toi qui es en esprit. Suis-moi. Je vais te faire visiter un jardin, Massa Tarabadosh, le jardin de mon père, Sabro Koto, rempli de fruits, Massa Bro Kuyamano, Kouimam. Alors je commande les anges de te conduire maintenant. Ils vont t'amener dans ce jardin. Tu vas commencer à visiter le ciel. Tu vas commencer à voir un compartiment. Je vais te faire voir, Massa Bro Kuyamano. Je commande maintenant. Je relâche les anges qui vous guident là-bas, qui vous conduisent. Allez, transporte. Toi, tu es là, Massobrekan Yemono. Tu commences à voir. Je te fais visiter le ciel. Je t'amène à une autre dimension. Je t'amène à la dimension surnaturelle. Je te transporte maintenant. Tu commences à voir le ciel. Tu commences à voir les œuvres de mon père.
Tu veux voir? Allez, monte, monte, monte. Suis-moi, 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 suis-moi. Je t'amène. Veux voir, viens voir. Viens voir, casse ton palais. C'est toi qui ne le sais pas. C'est parce que vous avez décidé de rester en bas. Car vous êtes du monde céleste. Je t'amène dans le monde céleste maintenant. Je vais te faire visiter le royaume de mon père. Une partie seulement. Une petite partie seulement. Une petite partie. Je ne pousse pas plus loin. Voilà. Vois que tu vois, vois. Commence à voir, commence à voir. Je te fais entrer maintenant. Commence à voir. J'ouvre le premier royaume. Je te fais entrer. Commence à voir. Alors, il y a la première chambre. Commence à voir. Qu'est-ce qui est dedans? Tu vois. Tu vois, toi qui es en train de voir. Qu'est-ce qui est dedans? Tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois? Je te montre la deuxième chambre. Regarde, regarde. Je te fais entrer dans la cour. Fais voir. Regarde le palais. Regarde. Regarde le ciel. Regarde la maison de mon père. Regarde. Regarde son royaume. Regarde. Ma sobre kanyabosha. Inderebosa. Je t'élimine là-bas. Je te fais redescendre. Je t'amène dans un jardin. Ma barebosa. Alors suis-moi. Je te fais entrer dans ce jardin. Tu vois. Tu vois les arbres qui sont là-bas. Tu vois les oliviers. Ils sont là. Tu vois les oliviers. Tu vois les pommiers. Regarde. Ils sont là. Tout est là. Et c'est déjà mûr. Prêt à manger. Alors je te fais voir. Ah voilà. Tu as vu. Si tu as vu, on redescend. On redescend, on y va. On redescend. Viens. Je t'amène dans le royaume de la louange. Regarde les gens ce qu'ils sont en train de faire. Regarde la louange. Regarde comment c'est beau. Tu vois. Regarde. Regarde la louange. Regarde comment c'est beau. Oh my God. Oh, je te fais voir. Regarde la louange céleste. Regarde les anges qui louent. Regarde, les voilà. C'est beau. Regarde le scot. Regarde comment c'est beau. Ils ne font que ça. Ah, c'est parce que vous ne le savez pas. Si vous voyez tout ça, vous devez changer votre manière de louer et de louer. D'adorer. Regarde, c'est beau. Alors, je t'enlève. Maintenant, on y va. Viens. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir encore? Demande-moi ce que tu veux voir. Je t'entends. Parle. Oh, tu veux voir quoi? Je vais te faire vivre. Je vais vous faire vivre le surnaturel un peu aujourd'hui. Je veux partager un peu. Je veux partager avec vous. Oh, regarde. Je t'amène sur la table de mon père. Regarde la table là où on mange. Regarde la table où on mange tous les jours. Je mange avec lui. Je t'amène, tu vois la table, regarde comment elle est dressée, regarde comment elle est propre, elle est beau. C'est là que je mange avec mon père, tu vois, tu as eu la grâce de voir aujourd'hui, tu vois, je t'ai amené voir, tu as vu la table? C'est là que je mange avec mon père tous les jours, voilà, je t'ai montré un tout petit peu, voilà, on redescend, on y va, allez, hop, c'est bon, on a fermé le royaume, c'est bon, on y va. Chakai bodo ko sobre ka konti ki abodo mani ka sabro ko imanda re mari katara bodo sobre kande de baba bodo sa masabro konde da baba do boshe marde katara bodo. Oh my God. Jésus, tu es formidable. Il est beau, il est tellement beau. Il est tellement beau et bon. Il est tellement beau et bon. Oh, ceux qui ont vu. Voilà. Oh. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des gens qui ont vu. Ceux qui ont vu ne peuvent même pas écrire maintenant. Ils ne peuvent pas écrire. Quand ils vont sortir de là, ils vont écrire. Ils sont là. Ils ont vu. Je les ai fait balader. Ils ont vu. Ils ont vu. Je les ai fait grâce. Ils vont se lever. Ils vont écrire. Nous avons vu tête chaude. Voilà. Ils vont écrire. Ils sont là. Voilà. Je les ai fait voir. Oh my God, c'est beau de connaître le surnaturel, c'est beau de se balader dans son royaume, vous voyez, nous avons un royaume qui est le royaume céleste, vous n'êtes pas du monde terrestre, vous vivez sur la terre, mais vous n'êtes pas du monde terrestre, normalement, vous êtes appelé à voyager au ciel comme vous voulez, et visiter et ressortir, parce que c'est de votre droit, c'est parce que vous ne savez pas, les pasteurs vous ont caché, ça c'est le mystère. C'est un petit mystère que je vous livre. Un petit mystère. On
ne peux pas être rempli de sa lumière sans connaître son royaume. Non, 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 non. Je ne suis pas de ce monde. Je suis du monde céleste. Je ne suis pas terrestre, mais je suis céleste. Je mange à la table du roi tous les jours. Je partage avec le Seigneur Jésus tous les jours. Je mange avec le Seigneur tous les jours. Tous les jours, mes repas sont avec lui. Oui, 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 oui. Je vis avec lui. Je partage avec lui. Voilà, voilà. Je vous ai dit que ceux qui étaient en esprit ne pouvaient pas écrire maintenant. Voilà qu'ils ont commencé à écrire. Il y a un qui vient de me dire, maman, il veut Dieu travaille vraiment avec vous. Ce que je viens de voir, je n'arrive pas à expliquer. Comme moi, écoute, est-ce que moi je parle des choses pour... Ils sont là. Ils vont commencer à vous détailler. Alors le Seigneur vous amène à détailler pour vous expliquer ce que je faisais tout à l'heure. Parce que le surnaturel existe vrai, vrai. Je vais vous... ça, c'est juste un peu. Je vous ai amené pour voir. Ça, ce sont les privilégiés. Voilà, ce sont les privilégiés que je les ai dit, on y va, suivez-moi, on y va, suivez-moi. Parce que je mange avec mon père tous les jours, je bois avec lui tous les jours, c'est lui qui me nourrit. Mes repas sont triés, c'est lui qui me dit, ma servante, tu manges ceci tel jour, tu manges ceci tel jour. Il veille sur moi, il veille sur moi, oui, mon papa veille sur moi. Et comme je suis généreuse aujourd'hui, j'ai amené un peu quelques personnes pour vous faire voir ce qu'on appelle le monde céleste. Car je suis du monde céleste, je ne suis pas du monde terrestre. Je suis de passage. Voilà. Voilà, Sandrine a dit que j'ai reçu l'onction ici chez moi. Oui, parce que l'onction n'a pas de distance. Ce n'est pas parce qu'on vous touche, on tape la tête. C'est le Spirit qui fait. C'est le Saint-Esprit qui fait, ce n'est pas vous. Voilà. Voilà. Tous ceux qui ont vu, commencez à écrire, parce qu'il y a des gens qui ont vu. Commencez à détailler ce que vous avez vu. Là où le royaume que vous, là où je vous ai ouvert, vous êtes entré. Là où je vous ai ouvert, vous êtes entré. Est-ce que vous avez vu? Non, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière. L'onction n'a pas de barrière. Kabadoucha, Katarabado. Il y a quelque chose qui s'est passé très fort. Voilà. Sabroko Yamande Kabado. Tu vois, il y a Kabore qui dit, maman, j'ai reçu beaucoup. Maman, pour l'instant là, mon visage est souriant pour l'instant. Voilà. Huguet dit, alléluia, maman Yvette, j'ai commencé à partir, à décoller du sol. Je suis monté. Je planais. Waouh, j'ai vu. Amen. Voilà. Voilà Huguet qui vient de vous expliquer. Elle montait, elle planait. Voilà. Mes anges, ils sont à ma disposition. L'autre dit, j'étais emporté tout à l'heure. Quand vous avez chanté, wow, my God. L'autre dit, l'onction était au rendez-vous. Amen. C'était tellement merveilleux. Oh, l'autre dit, c'était très beau, resplendissant. Oh, my God. C'était fort. J'ai un peu... Elle dit que c'était fort, mais j'ai un peu mal à la tête. Que le Seigneur enlève la douleur et qu'il commence à vivre le surnaturel. Je suis monté sur une échelle. Voilà. Et je suis arrivé. J'ai vu les chérubins et les séraphins. Avec, écoutez, regardez bien. Les chérubins et les séraphins avec des cantiques célestes. Et quand maman m'a dit, suis-moi. Oh, là voilà. Valérie Cohn, voilà. Valérie Cohn. Oui, je sais, je connais comme le bas, suis vite. Elle ne perd pas le temps. Et quand maman m'a dit, suis-moi, je descends dans le jardin. Et je descends et je vois la main du Fils de l'homme. Il m'a dit, viens ma fille. Waouh, elle n'a pas fini d'écrire, elle a balancé. Faut finir, tu vois. Voilà.
Maman, Dieu m'a béni grandement. Mon parler en langue est vraiment changé. Je ne priais plus en langue depuis longtemps. Mais une joie est montée en moi. Et je montais en parlant en langue tellement changé. Waouh! Waouh! Trop d'onction. J'ai vu le jardin et la table avec les fruits. Waouh! Voilà! Oh my God! My God! My God! Ma fille, Loba Evelyne. Je demande si ces menus sont sur la terre. Comme maman, tu as porté les habits royaux et du festin de notre père. Waouh! Tu vois, elle a vu tellement de beaux menus. Elle a demandé, est-ce que ces menus sont sur la terre? Quand on mange avec le père, on est différent. On n'est plus pareil. Voilà, ma fille d'avoir dit, maman, j'étais au jardin. Il y a eu toutes sortes de fruits. Hein? J'ai cueilli la pomme. Toi, tu es dangereux. Tu as quand même réussi à manger la pomme. Et j'ai croqué. J'ai mangé. Et tu as dit, il faut qu'on parte. Et les anges m'ont demandé. Et les gens m'ont demandé de laisser le reste de la pomme là-bas. Mais. Mais c'était beau. J'ai ma presse sur la table. Alléluia. Kabaroche. J'ai reçu l'onction. Étant dans ma maison. Était fort. Merci le Saint-Esprit visitait. Hein? Le Saint-Esprit pour la visitation. Mon parler en langue a changé. Amen. Christ love, je n'ai pas vu. Ah, je vois. Maman, oh, je suis grandement béni, oh. Je rends gloire à l'Éternel des armées du royaume. Et il y avait deux grands acanches, voilà. Et au jardin, les oliviers, maman, j'ai reçu un fruit et j'ai mis... Elle dit qu'elle a mis où? Ah oui, elle a reçu un fruit. Hein? Attends, je ne vois plus bien. Oui. Attends, oui, et j'ai mis à la bouche. Pendant que tu disais les fruits prêts à manger, et pendant que je demandais que ce qu'on veut encore, ce qu'on veut encore voir, j'ai dit en esprit, je veux voir le trône de Dieu et le discernement, le trône éclairé. Et il y avait des vieux qui se prosternaient face contre terre. Waouh, ma fille, c'est qui? Voilà, Christelle Love, merci. En tout cas, l'autre dit que dans le jardin, il y avait assez de fleurs et de fruits, le fruit de l'or. Maman, c'est fort. Je suis rempli d'onction, my God. Oh, l'autre dit, maman, je t'ai vu avec une telle grande, une très belle robe. Oh, ah non. Amen. Alléluia. L'autre dit, maman, ton Dieu est trop fort. Pour moi, car l'onction que j'ai reçue est trop fort. Amen. Maman, c'était beau. À jamais j'ai vu ça. Voilà. Oh. Ouais. Ah, il a dit quoi? Oui, j'ai vu ça. Amen. L'autre dit que l'onction multiplie encore sur elle. Amen. Justement, ce n'est même pas fini. Wow. Bon, vous voyez, quand tu vis des choses comme ça, l'autre dit que c'était tellement beau. J'ai déjà expérimenté cela, maman.
Amen. Vous voyez, je vous ai fait vivre cette expérience pour vous expliquer quelque chose. Nous disons que nous servons Dieu. On ne sert pas Dieu. On ne sert pas Dieu. Je vous dis la vérité. On ne le connaît même pas. Les gens qui connaissent un peu Dieu, ils ne peuvent jamais le quitter ni le trahir. Parce que Dieu ne peut pas te transporter tous les jours. Tu vas dans son jardin et tu envies même encore quelqu'un sur terre. Non. En fait, les gens qui disent servent Dieu, ils n'ont jamais connu Dieu. Ils ne savent même pas qui il est et son royaume. Pourquoi même vous êtes appelés? Je vois quelqu'un est à l'église. Quelqu'un dit, j'étais tout blanc. Et vous rentrez dans tous les compartiments. Voilà celle qui a bien vu les choses, certainement. Waouh! Elle dit, vous étiez tout blanc. Et vous rentrez dans tous les compartiments. Et il a eu une voix, il y avait une voix qui a dit, bienvenue ma fille. La table dans la salle et à manger était en or. Le royaume était propre. Il n'y avait aucune tâche. Il n'y avait aucune ville sur la terre qui ressemble à ce royaume. Vous étiez la prophétesse de l'Éternel, Dieu vivant. Vous êtes Amen. Vous savez, personne ne peut vous faire vivre ça s'il n'a pas encore une dimension d'alliance avec le Seigneur. Il n'a pas droit. Il n'a pas droit parce que ce n'est pas lui qui décide. Mais ça dépend de l'alliance que j'ai avec le Père que je veux commander les anges qui peuvent faire entrer quelqu'un au royaume. Il ouvre le royaume. Moi, je monte au ciel quand je veux, comme je veux. Et je redescends. Ce n'est pas une surprise pour moi de monter au ciel. Je mange avec lui comme je veux et comme je veux. Quand je veux et comme je veux. Maintenant, ce n'est pas un acquis. Je ne fais pas de ça un acquis. En fait, c'est pour vous dire, Dieu vous a réservé tellement de grandes choses. Mais nous banalisons son nom. Nous banalisons son œuvre. Nous banalisons son peuple. Nous banalisons sa personne. Il est puissant. Il ne discute rien avec personne. Mais quand Dieu voit que tout ce qu'il te donne, tu ne prends pas comme un acquis, il fait une alliance avec toi. L'alliance abrahamique, tu vas voir Abraham, Dieu pouvait tout donner à Abraham. Abraham était prêt à retourner à Dieu quand Dieu veut et comme Dieu veut. Donc, aujourd'hui, nous disons que nous servons Dieu, mais nous ne le servons pas. Le peu d'espérance que je vous ai fait vivre, c'est juste un tout petit peu. Donc, je vais vous faire écouter. C'est une servante de Dieu qui m'a envoyé un voice. Quand je pleurais l'autre jour. Ce que vous avez vu en live, là, ce n'était rien. J'avais pleuré le jour-là. J'avais d'abord loué le Seigneur avant seul. J'ai tellement pleuré, je ne peux pas expliquer. Les larmes coulaient seulement 100%. 100%. 100%. Après, le Seigneur me dit, appelle mon peuple, tu loues avec eux. Mais voilà que je n'ai pas en tirer. Je croyais que comme j'ai pleuré, c'est bon. Peut-être le Seigneur ne va plus permettre que je pleure comme ça. Oh, arrivé là-bas, c'est tourmenté. J'ai tellement pleuré ce jour. Souvent, le Seigneur me fait pleurer, mais ce jour-là, on dirait que... Mais je sais que à chaque fois que mon Dieu me fait pleurer, il y a une gloire devant. Il y a des jours que je peux entrer à l'église, dès qu'on commence la louange, je me mets à pleurer seulement. Je ne peux pas arrêter. C'est lui qui arrête. Je me mets à pleurer. Et quand je fais ça, la puissance qui descend. Oh là là. On dirait que mon père va déplacer le ciel pour la terre. Donc, la servante de Dieu dit qu'elle m'a vu pleurer. Quand je pleurais, ça lui fendait le cœur. Et Dieu lui disait, ces larmes, ce sont pour vous. C'est pour votre délivrance, c'est pour votre liberté, c'est tout pour vous, ce qu'elle est en train de faire là. Parce que je n'aime pas voir ces larmes. Et quand tu pleures,
Je fais tout pour qu'elle soit contente. Je fais tout pour exaucer ses prières. Donc, parfois, je vois des situations qui se pointent devant moi concernant des brebis. Ça commence à me toucher. Et quand ça va plus fort, ça m'amène à pleurer. Je vais pleurer, pleurer. Et parfois, quand c'est comme ça, Dieu me console. Voilà, il me répond. Il me dit, laisse, je vais faire ceci, tu vas voir. Et il le fait. Donc, j'avais envie, le voice de la servante de Dieu, je crois qu'elle est même connectée. J'avais envie de vous faire écouter le voice là. Shalom, shalom, shalom. Sois grandement béni. Merci. Merci. J'ai été très émue. Très émue de te voir pleurer comme ça. Mon cœur saignait. Mon cœur saignait alors que tu pleurais. Le Seigneur me disait que ces larmes, c'est pour vous. Ces larmes, c'est pour vous. Je n'aime pas la voir pleurer. Ces larmes, c'est pour vous. Ces larmes vous rachètent. Ces larmes vous rachètent. Ces larmes vous bénissent. Ces larmes vous élèvent. Ces larmes vous distinguent. Ces larmes sont pour votre cause. Mon cœur était serré comme ça. Après, j'ai même écrit, j'ai dit, maman, arrête de pleurer. Ton père ne veut pas que tu pleures. Parce que tes larmes sont du coup de chair. Tes larmes ont beaucoup de valeur à ses yeux. Je bénis le nom de l'Éternel pour la prophétie. C'est dommage parce qu'à un moment donné, je n'entendais plus bien. Mais j'ai reçu énormément. Et je rends grâce à ta, grâce à Dieu, à ta vie, maman. Vraiment, mais Dieu va faire. Pendant que tu étais en train de... Tu pleurais comme ça pour à chaud de larmes. Après maintenant, ce rire qui est sorti comme ça, c'était le rire de guérison. Un rire de guérison qui a touché, qui a guéri, qui a pansé les plaies. Ce rire était un rire, on croirait un rire fou, comme j'ai écrit. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu a accompli beaucoup de choses ce soir au travers de cette puissante louange. Et le Seigneur va faire pour cette salle, le Seigneur va faire. Il est sur le point de te surprendre, maman. De te surprendre. Oh. Elle-même m'a fait la peine quand elle parle. Je sens que cela fait mal. Donc, elle ne supportait pas. Mais le ministère prophétique est compliqué. C'est trop compliqué. Le ministère prophétique n'est pas simple. Ouais. Oh. Amen. Amen. Vraiment, je pense que vous avez beaucoup reçu aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas reçu, c'est ça que c'est lui-même. Prions aussi beaucoup pour la page. Et nous allons... Oh. Et qui, Élise Marie dit que mon cœur m'avait fait très mal quand j'ai vu maman en larmes. Je ne tenais pas, j'ai pleuré comme si j'étais... comme si j'étais malade. Oui. Moi, Jésus. Hein? Oh. Ouais. Oh. 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 En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et je pense que notre Dieu est en train d'entendre nos cris. Et il nous voit. Il sait qui nous sommes. Il nous aime. Amen. Oh. Non, mais les rires, les pleurs étaient prophétiques. Ce n'était pas simple. Que les gens ne pensaient pas. En fait, je n'ai pas une tristesse au fond de cœur. Mais je ne peux pas expliquer. Vraiment. Et c'est comme ça. Parfois, trop de charges me rend comme ça. Trop de combats, tu vois. Pas que au fond de moi, je suis triste. Mais quand je vois que le monde se réunit contre moi, et pourtant je veux qu'aider, je ne fais rien de mal. Parfois, ça crée ça. Je vois que tout le monde est contre. Les gens se lèvent comme ça, là. On veut absolument t'assassiner.
Et comme là, ils ont encore programmé un autre jour pour déposer un autre grand filet contre moi. Ils ont encore programmé. Il y a encore un filet qui est en train d'arriver. Ils ont dit, si on ne me prend pas, on va prendre n'importe qui. On tombe dedans. Donc, voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, il faut que nous restions beaucoup en prière. Ils ont encore programmé. Donc, ils n'ont pas dit que j'ai à cause de moi, leur royaume est en feu. Leur royaume est en feu. Vous savez, je vous avais dit la dernière fois que quand ils ne livrent pas les gens, le feu s'augmente là-bas. Et ça fait souffrir le diable. Parce que quand ils livrent les gens, le feu diminue. Mais quand ils n'arrivent pas à livrer les gens, le feu s'augmente. Et ça devient compliqué pour eux. Tu vois? Voilà pourquoi il faut absolument le sang pour qu'eux respirent. Ouais, il faut beaucoup de sang pour qu'ils respirent. Donc, maintenant, tout ce qu'ils cherchent, c'est de mettre des pions pour me renverser. Mais ils ne pourront jamais. Car je ne connais même pas un mensonge. Je ne sais même pas comment on joue à l'orgueil ou peut-être mépriser une personne. Mais Dieu fera. Il a même déjà beaucoup fait. Quelqu'un dit, quand j'ai rié, lui aussi il riait là-bas. Ils ont vaincu, vrai. Ma fille, ta femme, sois bénie. Oh, que Dieu vous bénisse. Ah, Alice, soyez bénie. Elodie, vraiment que Dieu vous bénisse, je vous aime. On se dit à dimanche. Si on a déjà vu la salle, c'est vrai qu'on a vu la salle tout à l'heure, on a eu une salle. Mais ce n'est pas où je veux. Ce n'est pas là où Dieu veut. Quand on m'a dit, non, elle répondait à tous nos critères, mais c'est pas où Dieu veut. Non. Amen. Shalom à vous. Je vous aime beaucoup. On se dit à dimanche. Et ne ratez pas le Zoom les lundis. Soyez dans tous les... Partagez en même temps. Priez beaucoup pour la page. Et partagez beaucoup. Priez beaucoup pour la page. Vous savez, on est venu jusqu'à... On a piraté la page. Jusqu'à on nous avait tout destitué. Si ce n'était pas la main de Dieu, je ne devais plus récupérer la page. Même celui qui a travaillé dessus a dit, la dame s'est fait comment pour avoir encore la page et faire les vidéos dessus. Cette servante est de Dieu. Parce que la manière qu'on signale la page ici et la manière que ce que je vois devant moi, et Facebook n'a pas encore fermé. Non. Donc vraiment, nous allons ouvrir une nouvelle page. Il faut que vous partez vous abonner là-bas. On doit ouvrir une nouvelle page. Vraiment, il faut qu'on parte. Dès qu'on va faire ça, je vais vous signaler. Vraiment, il faut qu'on s'abonne là-bas parce que ils m'ont conseillé d'avoir une deuxième page, que c'est très important. Et c'est, oui, il nous faut une deuxième page. Oui, vous voyez, quand vous partagez beaucoup, ça les énerve. Quand on vous bloque, parce qu'on a tellement signé. Vous voyez pourquoi les gens ne peuvent plus... Pour que les gens montent à 500, c'est grave. Avec autant d'abonnés, parce que les gens sont déjà en train de signaler. Les gens bloquent, il y a trop de restreints. On a restreint la page, Vous voyez, normalement, quand je suis à 400 partages, je suis là dans les 90 000 vues. Mais on a 400 partages, on a 8 000 vues. Donc, là, on a parfois 800 partages, on a 9 000 vues. Donc, ils ont tellement restreint. Oui, 800 partages, on a 9 000 vues. Donc, ils ont tellement restreint normalement. Parfois, même, il y a d'autres, tu es déjà à 140 partages. Tu es déjà dans les 35, 40 000 vues. Mais là, il y a tellement de restreints. Mettez beaucoup de cœur et priez aussi pour la page. Vraiment, priez pour la page. Ne suivons pas, ça nous fait du bien, nous tous. On a besoin. Donc, c'est parce que Dieu a la main ici. Non. On devait mettre la main. La semaine passée, vous avez vu, je venais en retard à cause parce qu'on ne pouvait plus entrer sur la page. Quelqu'un a récupéré la page, il nous demande de payer. Il nous a dit qu'on paye. Et le Seigneur m'avait dit, ma fille, ils vont bloquer, ils vont débloquer. Ta renommée là, ça va que s'augmenter. Je vais toucher mes enfants, ils vont partager partout. Dis-leur de partager, dis-leur. Mes enfants vont partager. Il dit que moi j'ai mes enfants, mais celui que j'envoie chez toi, ils vont partager, ils ne vont pas arrêter.
la renommée, parce qu'ils ne veulent pas que les gens t'entendent. Ils ne veulent pas que les gens te découvrent. Ok, ok, d'accord. Ok, Nadège, merci. Dès que je vais, on va voir ça, parce qu'on a demandé qu'on ouvre une deuxième page. Et nous, on va faire un travail derrière cette deuxième page. Le Seigneur va nous aider. Soyez puissamment bénis. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Et quelqu'un dit, maman, un bonus. Oui, mon bébé, on a tellement visité le ciel. Il faut qu'on laisse d'abord un peu comme ça. Parce que là où je suis là, si je commence à part, je ne vais plus arrêter. Et tous les jours, je rentre à 4, 3 heures. Hey, Jésus. Si je commence, je vais partir. Donc, ça va. Ça ne va plus arrêter. C'est vrai. Moi, je me connais. Oui. Vous êtes bénis. Que la main de Dieu soit sur vous. Vous êtes tellement bénis. Moi, je recommande à tous les intercessions. Vraiment de prier maintenant. Tous les intercessions. Je dis tous les pages des intercessions. De prier, de reprendre encore sur la salle. Sur la salle. Et sur les filets qu'ils ont décidé qu'ils vont lancer pour me prendre, de prier pour la servante de Dieu. Voilà. Tous les intercessions. Donc, tous les groupes. Donc, tapez dessus. C'est vrai. Voilà. Le Seigneur dit, il y a des gens qui sont dans le groupe de prière en train de m'attaquer, en train de vouloir détruire. Ils prennent des sujets de prière pour envoyer dans leur royaume, pour envoyer dans leur groupe. Oui, ils sont là. Comme on n'a pas trié, on a voulu mettre tout le monde, donc il y a plein de groupes de prière qu'on a créés. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Écoutez-moi bien. Ça, tu coupes tout de suite. Tu me redonnes, je publie. Écoutez-moi bien. Regardez bien mon front. Il suffit une prière, vos vies sont paralysées. Et le Seigneur vous demande la repentance rapide. Je suis trop gentil. Mais Dieu ne sera pas gentil avec vous. Parce que vous ne connaissez pas des milliers de personnes qui sont délivrées à travers cette page. Vous et à travers les intercessions. Vous, on ne vous oblige pas de venir à l'intercession. Mais restez chez vous. Vous avez vos royaumes, mais je ne pars pas là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez dans mon groupe? Vous avez vos églises, je ne pars pas là-bas. Vous me suivez pour quoi? Il y a quoi? Restez chez vous. Le Seigneur va s'occuper de vous. Et quand je vais lire, Seigneur, prends, occupe-toi d'eux. Vous allez voir, vous allez lire l'heure. Et vous allez confirmer le code. Que ce n'est pas dans tous les territoires. Sachez que, de la même manière que Moïse était abondé de l'onction là, quand on est trop rempli d'onction, les problèmes sont aussi à côté. Donc ceux qui passent là, ils sont ramassés comme des mouches. Venez. Venez. Comme vous pensez que tous les onctions sont pareilles. Regardez ma tête. Faut venir. Regarde bien ici. Faut venir. Vous allez confirmer le code. Dieu va vous traiter comme ça là. Vous dans les parcs. De toutes les façons, je vous ai dit, à partir de cette nuit là, tous les gens qui sont dans les parcs qui ne se connectent pas, je les déconnecte tous. Vous prenez même les. Vous allez voir. Essayez de tenter. Mon Dieu ne fait pas cadeau. Voilà. C'est quoi? Vous jouez avec Dieu comme vous voulez.
chaque fois que le Seigneur a moi avec vous, vous avez toujours l'impression que c'est une faiblesse. Les petits sorciers au carrefour. Vous allez voir. Vous venez dans les intercessions, vous mettez dedans. Je vais commencer à vous destituer. Dieu va faire. Ne vous inquiétez pas. Il y a un jour que Dieu va me dire que pas là-bas, je vais partir. C'est lui qui entre devant moi, j'enlève. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse.